Au tournant des 19e et 20e siècles, les environs de Limoges font figure d'espace de villégiature pour une partie de la bourgeoisie. La création classique de cette demeure est rehaussée d'ouvertures de style néo-gothique. Placé sur une façade en retrait se trouve un panneau d'influence japonisante représentant des chrysanthèmes sur un fond bleu turquoise lié par une structure en bambou. Sur une autre partie de la maison se trouve une courte frise insérée dans le granit représentant un écureuil mangeant des noisettes sur une branche. Tout comme le décor floral, ce motif fait écho au parc fleuri et arboré qui constitue l'écrin de la maison.